Donc nous allons entamer cette troisième journée de négociations sur le budget européen et le plan de relance. Depuis deux jours et deux nuits, nous avons montré notre volonté de trouver des compromis, d'avancer. La volonté de compromis ne saurait nous faire renoncer à l'ambition légitime que nous devons avoir. Et c'est dans les heures qui viennent que nous saurons si les deux sont compatibles. Il y a aujourd'hui plusieurs sujets qui sont encore devant nous à finaliser. Voilà les principaux sujets qui sont devant nous et sur lesquels il nous faut trouver les bons compromis dans les prochaines heures. Je pense que c'est encore possible. Mais ces compromis, je le dis très clairement, ne se feront pas au prix de l'ambition européenne. Pas pour le principe, mais parce que nous sommes face à une crise qui est inédite sur le plan sanitaire, économique et social, parce que nos pays en ont besoin et l'unité de l'Europe en a besoin. Pour toutes ces raisons, nous allons continuer de nous battre et je vais dès à présent retrouver le président Michel. Merci beaucoup.